Hello tout le monde, c'est Asse. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et un tout nouveau jeu. Bienvenue les amis sur League of Legends. Oh yeah. Aujourd'hui et comme promis, on va se tester un petit peu ce jeu. Je pense que la plupart d'entre vous connaît ce jeu, n'est-ce pas? C'est pas un souci, c'est pas très grave, ça m'arrange. Ouais, le didacticiel c'était pour la vidéo. Ok. Bon bref, peu importe, on s'en fout. Comme j'avais dit, et je sais pas si vous avez regardé les épisodes de Smite, mais dans le doute, je le rappelle, je ne suis absolument pas fan des classiques. Ouais, navré. J'en ferai peut-être une ou deux à voir, je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va faire une ARAM. J'utilise le matchmaking, ouais, tout à fait. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, eh bien, il y a ma tronche plus ou moins sur la droite, quelque part là-bas. Un petit rappel également des différents réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Sur Twitter, vous pouvez me retrouver sur Twitter, également sur Facebook, voilà, et sur Google+, si toutefois vous avez, n'est-ce pas? C'est également là-dessus que je mettrai quand je serai en live. En parlant de live, les amis, je suis bientôt en vacances, donc je suppose qu'il y aura pas mal de live. Jetez un coup d'œil également dans la description de la vidéo, là où vous trouverez en fait le calendrier. Et dans ce fameux calendrier, eh bien, je note absolument tous mes lives en avance. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour de temps en temps, voilà. Vous découvrirez ce lien dans quasiment toutes les vidéos récentes et dans les dernières vidéos. Et lui, il n'a pas accepté, bordel de cul. Ouais, c'est pas grave. Ça laisse le temps de regarder un petit peu ce qu'il y a en promo. Alors, ça fait un bail que je n'ai pas joué. Jax, Xeras, ok. Merle. Rek'Sai, je connais pas du tout. Kalista, je ne connais pas du tout. Oh, pardon. Là, les amis, on va bien rigoler. Mais alors, on va rigoler. Mais à un point. Oh my fuck. Alors, Lux. Lux, c'est un perso que j'apprécie énormément. Vraiment. Elle est d'une violence sans précédent. Je suis extrêmement fan de ce perso. Tout simplement parce que dans le mode ARAM, déjà, elle est ultra pète-couille. Moi, les persos pète-couille, je suis fan. Mais là, c'est juste du grand n'importe quoi. Pour une première, les amis, on va bien rigoler. Si toutefois personne ne quitte la partie, on va vraiment se marrer un truc de dingue. Avec nous, Singed qui est plus ou moins tank magique. Malheureusement en fait on a que des magiques, ça craint un tout petit peu. Va falloir finir la partie relativement rapidement, parce que si en face il se stuff en résistance magique, on va galérer un petit peu. Toujours est-il, on a un Heimerdinger qui pose des tours, qui est juste n'importe quoi ce perso. Ce perso je suis ultra fan en 5 contre 5, voilà, en mid. Ouais, parce que funky quoi, j'aime bien les trucs un peu sortis de l'espace. La méta, hein, fuck, hein, moi je suis pas du tout la méta, allez vous faire fiche avec ce truc, rien à cirer. Une petite Sona pour le heal, et en dessous je ne sais absolument plus qui c'est, mais Morgana. Donc on a énormément de stun, ça va être drôle. En face on a quoi? On a un Fiddlestick, on a un Garen, on a un Mumu, une Irelia et un Yasuo. Est-ce que quelqu'un peut comboter avec Yasuo? Non, personne, ça m'arrange. Ok, parfait. Parce que son ulti, voilà, une fois que quelqu'un est en l'air, il peut utiliser son ulti et ça fait assez mal. Mais là, personne peut comboter avec lui, à part lui et sa tornade. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Amumu qui est un poil pète-couille aussi avec son ulti. Garen, va pas me faire trop de dégâts, va pas me faire trop peur parce qu'il va pas beaucoup approcher, sinon je lui mets une rouste. Y a pas de souci. Mon pote Fiddlestick, lui, il est assez chiant parce qu'il y a des... Parce qu'il y a des buissons dans lesquels il peut se planquer et caster son ulti et d'un seul coup débarquer, genre « Oh, YOLO, c'est moi !» C'est assez rigolo. Irelia, ouais, assez dangereuse tout de même, mais ça devrait le faire. En fait, moi, je crains pas grand-chose, là, de tout le monde. À part lui, qui va être relativement casse-couille, parce que, je vous le rappelle, je suis agressif à un point, et là, vous allez pouvoir le découvrir, l'agressivité du bonhomme. Je cours dedans, j'en ai rien à foutre. Quitte à crever, j'en ai rien à cirer. Mais j'essaierai d'emmener quelqu'un avec moi, c'est sûr et certain, quoi. Je pense qu'on va bien rigoler, très clairement. Et ça me fait extrêmement plaisir de reprendre le jeu après un longue pause, et surtout avec une luxe. Oh my gosh. Alors attends, ouais, pardon, excusez, j'ai oublié de vous emmener avec moi. Eh, je suis navré. Cela ne se reproduira point. Ouais. Non, mais c'est mieux que je le remarque maintenant que trop tard, parce qu'au final... Au final, voilà quoi. 1300 boules, on commence avec ceci, on commence avec ceci et ceci. En avant. Restez positif. Est-ce que tout va bien au niveau de l'écran? Tout va bien, parfait. Au niveau du son, tout va bien? Tout va bien. Fantastique. Comme je suis un peu un mec cinglé, comme je vous l'ai dit avant, et comme je suis un petit peu, complètement...
complètement agressif. Eh bien, moi, je vais directement dans le deuxième. Je vais directement chez eux parce que j'en ai rien à foutre. Voilà. Ce qui est chose faite. Maintenant, on va attendre le client. Et dès qu'il arrive, une petite rouste directement d'entrée. Comme ça fait toujours plaisir. Mais laissez-moi deviner, personne ne va montrer sa tête. Hein? Parce que tout le monde est flippé. Allez, un petit câlin là. Viens faire un bisou là, la luxe là. Tu verras, c'est rigolo. Ne me tente pas. Ne me tente. Hein, t'aimes ça? La sauce, mec, la sauce. Absolument. Allez, c'est comme ça que ça commence. Et là, je ne vais plus arrêter. Du début jusqu'à la fin, je ne vais plus arrêter de casser les bonbons à tout le monde. Vous allez voir, ils vont adorer. Ouh. Allez, on est parti. Qui veut? Toi, tu veux? Pas de problème, j'offre. C'est cadeau, mec. C'est cadeau. Oh, 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 oh. Ouh. Solide. Ouais, ouais, pas de problème, mec. J'encaisse, y'a aucun souci, moi. Nah, bravo. Et on dirait qu'ils ont changé un petit peu l'item de mana. Parce que j'étais jamais autant à court, très clairement. Alors, peut-être que je peux me planter, mais... T'es sérieux, toi? Tu veux joujou? Y'a pas de problème, amène-toi. Oh! Ce wall, là... Ce wall, mec... Il t'a sauvé... Enfin, non, il t'a pas sauvé la vie, puisqu'au final, t'es quand même mort dans cette histoire. Mais disons, disons que c'est moi qui aurais pu te tuer. Ah, t'es foutu. Nah, shit. J'aurais dû balancer le bouclier. En fait, ça aurait été plus rentable pour lui. Il aurait perdu un peu moins de vie. Toujours est-il, au début, clairement, on aura l'avantage jusqu'à un certain moment où ils vont se retourner. Et là, ça va sentir un peu le poney, par contre, concrètement. Ouais, ouais, viens. Oh, le flash. That flash. Bye bye. Allez, amenez-vous là, amenez-vous qu'on rigole là. Moi, je suis chaud, moi, je suis opérationnel. Oh, mauvais. Ouais, il faut leur montrer qu'on loupe un peu les sorts de temps en temps. Dit-il. Non, non, j'ai complètement merdé, très clairement. Ouais. Tu ne me fais point peur. Ah, j'ai récupéré la vie, exactement. 3 minutes 12, parfait. Donc un peu de mana supplémentaire, on va pouvoir relancer tout le bordel. Oh, il m'emmerde avec son wall celui-là. Oh, arrivé l'ulti, je vais leur mettre une dose. Bam, tu dégages. Vous avez tué un ennemi. Oui, donnez-moi des kills. Donnez-moi des kills, vous allez voir, c'est rigolo. Bam. Oh, non, t'approches pas trop près. Toi aussi. Meurtre en série. Allez, ça c'est fait. Allez, amenez-vous les enfants, allez, amenez-vous, j'ai pas encore... Ouais, prends si tu veux, y'a pas de problème. Vous avez été réduit au silence et tout farce, j'espère. Oh, sale scoli... Oh là 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 là. Oh, les pauvres. Les pauvres. Oh, j'ai loupé. Oh, j'ai tellement loupé. Bye bye. Ultimate. Non, tu vas pas t'en sortir. Et je n'ai pas de mana pour l'ulti. Oh. Bon, c'est pas grave. Est-ce que... Restore 2% du mana manquant toutes les 5 secondes. Ils ont... Ouais, alors il y a... Merde. Non, ça va en fait. Mais c'est vrai que j'ai pris un petit peu le... Oh. J'en ai eu qu'un. Je voulais les deux. Je voulais les deux, si pas les trois. Bam. Ils vont tellement... Oh, dommage. Oh, Heimer Donger, c'est tellement dommage. Tu l'as presque eu. Bah allez, on avance les filles là, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Encore un petit heal pour moi, ça fait toujours plaisir. Et l'ulti de luxe qui revient toutes les... Mais je ne sais pas combien de temps, mais c'est n'importe quoi.
On va checker rapidement. 76 secondes. Pour l'instant, pour l'instant. Autant vous dire que là, ouais, ouais, ouais. Ils vont prendre une CC en fait. Ça va juste être n'importe quoi. 10-0 pour l'instant, tout va bien. J'ai 5 kills, je suis content. Qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il veut lui? Toi aussi tu veux? Non mais venez les mecs, venez, mais venez, c'est le moment, allez là, amenez-vous! C'est le moment où on rigole! Allez! Ils ont pris un kill? Non, ils ont pas pris de kill. Non. T'auras essayé. Et j'adore un truc avec ce perso, c'est le sniping. Il y a des moments, le moment où je vais mourir, hein, peut-être ça arrivera à un moment ou l'autre quand même. Enfin, j'espère du moins. Non, tu charges rien du tout, toi. Pour Demacia. Qu'est-ce qu'il veut lui? Pareil, lui aussi, qu'est-ce qu'il veut là? Bah ouais mec, mais en même temps t'es un peu tout seul là. Tu t'attendais à quoi vraiment? J'ai pas suivi le concept du truc, vraiment, tout à fait. Oh! Un allié a été tué! Oh my fuck! On a perdu quelqu'un, ça y est! Incroyable! 15-1, ouais, je pense que c'est mal barré pour eux quand même. Je me suis dit qu'ils allaient reprendre à un moment ou un autre. Non, en fait c'est très mal barré pour eux. Ouais bah t'auras tenté le coup mec, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Viens, approche. Et là tu fais quoi? Ah non, loupé. Ah mais t'auras essayé, c'est bien. Oh wow, wow, wow. Ah ouais, bien vu ça. On se détend tout de suite. Voilà, tu dégages. Un petit bouclier pour tout le monde et on est reparti. Oh wow, wow, et ce flash, pareil. Ouais, j'ai pris la vie, on s'en fout un peu, on est d'accord. Hein. On va pas non plus l'offrir à tout bout de champ, n'est-ce pas? Bien que, voilà, offrir c'était un grand mot, mais. Ah, bien vu. Oh là là là, je fais n'importe. Là, j'ai fait de la merde par contre. Non! J'ai pas de cooldown et j'ai pas de mana d'ailleurs, accessoirement au passage. Oh si ça touche. Toi, t'as mal choisi ton jour, garçon. Bye bye. Bah ouais, mais bon, en même temps, encore une fois, hein, tu cours, mais t'es un peu seul quoi, je veux dire. Oh, damn it! Putain de merde de. Oh la fessée. Voyons voir. Un petit sniping. Ah, il m'a réduit au silence et je me suis montré juste derrière. Damn it. Bon là j'ai un peu merdé mon coup, c'est pas très grave. Hop. Non. Je te sens venir mec, je te sens venir. Amumu, tu n'as pas la moindre chance. Je te pète la gueule, toi aussi là-bas au fond, je te pète la gueule. Bam, voilà. Et c'était pas du tout lui que je voulais. C'est pas grave. Mon ulti a été complètement miss. Non. Loupé. Alors là, total loupé. Oh, la tourelle. Bye bye. Non, tu ne t'échapperas pas. Oh la fessée, mais la fessée. 7-0. Ça va? Eh, pour une reprise, moi je trouve que c'est pas trop mal. Je vais utiliser ma potion de vie quand même, parce qu'à un moment faut y aller. Mais je trouve que c'est pas si mal que ça, ouais. Ah, bien joué. Heureusement que ton pote est là pour te sauver la vie avec son windwall à la con. Bah, mais les deux, allez, ça c'est fait. On va bucker un petit peu quand même.
Alors si on peut garder les deux tourelles en vie de notre ami Heimerdinger, ce serait perfect. Non, tu charges rien du tout toi. Et voilà, t'es sur place pendant... BAM! Et doublé! Parce que l'autre il était juste derrière. Pas de chance. Et c'est un viol sans nom. Salut, t'es foutu. C'est un carnage. Bon, on va peut-être s'occuper de la tour quand même, un minimum. Ouais, juste un minimum. Et ce serait bien que je crève en fait. Parce que là j'ai quand même 4700 balles inutilisées. Ouais, il y a un moment où faudrait le faire quoi. Faudrait vraiment y rester parce que c'est... Ah, je me suis un peu chié. Qu'est-ce qu'il veut lui? Je sais pas, il doit vouloir se suicider, j'en sais rien. Oh là 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 là. Ouais, eh ben c'est mort. Ensuite. Ouais, c'était limite. Je pensais pouvoir le tuer. Non. Allez, un petit effort. Ah, dommage, la portée, c'était limite là. C'est pas grave. Oh oui, tu es foutu. Oh là là. Oh là là. Est-ce que je vais finir cette partie en perfect? Bon, maintenant c'est le but, hein, du coup, puisqu'on est quasiment à la fin. On va essayer de rester sur ce 10-0. Et on, ou alors plus, hein, 20-0 ça me va aussi, mais on va tenter de... Bah de pas crever, hein, tout simplement. Parce que tant qu'à faire. Oh, il m'y prend tellement la sauce. Oh yes, oh c'est ulti. Oh c'est ulti. Oh bien joué. Non, j'ai merdé. Ok, on va snipe. Oh, j'ai merdé. Oh, enfin, j'ai merdé, non, mais j'aurais pu choper les deux en fait, mais j'ai un peu mongolisé là. Oh là là, celui-là, il était carrément pour toi quoi. Shit happens. Il veut me tuer moi. Bon, alors, pas de chance. Pas de chance, pourquoi? Parce que là, je vais revenir, mon pote. Mais tu vas... Oh my fuck, tu vas prendre tellement cher dans la face. Je suis blindé. Alors, j'ai fini l'item résistance magique, régénération de mana, 20% de délai de récupération, plus de la puissance. Tout va bien. Plus 120 de puissance. Du cash directement d'entrée, comme ça, salement. Ok. Et augmente la puissance de 30%, donc 67 en plus. J'ai maintenant 290 d'AP. Ok, plus les boots de pénétration magique, autant vous dire que là, le premier qui s'en prend une va mais manger sévère. Genre, on va faire un sniping de loin. Et je pense que lui, là, il peut quasiment y passer en une fois. Et voilà. Il pense même pas. Ah, le bouc... Ah, mais j'ai foiré le bouclier sur lui. Oh là là. Oh là. Bon, on a une compo tellement sale aussi, faut dire. Là, pour le coup, c'est une compo dégueulasse qu'on a. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Bon, bah, on finira sur 14 ans, je pense. Allez. Voilà. Un allié a été tué, comment ça? C'est nouveau ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah les gars, on se détend là, voilà, bon, très bien. Oh la vache! C'était d'une violence! Mais d'une violence! Sans précédent les amis! Super fan! Donc, bah retour au lobby, voilà. Et voyons voir, analysons la situation. GG. Voyons voir, 14-1.
monstrueux. Un carnage. N'importe quoi. 2,15 pour le Yasuo. Il a pris tellement cher. Et il est parti sur les items ouais, standard pour Yasuo. 1,12 pour le Garen. Oh la fessée. Cheater. On peut cheater dans LoL. Passe à travers les murs. Peu importe. La petite Senna, 9-2-29, tout va bien, 29 assists quand même, ça va, pareil pour la Morgana, très bien, voyons voir un petit peu sur le graphe, dégâts infligés aux champions, oh oh Senna, bien joué, bien joué, et je suppose qu'elle a également les PV soignés au max, ouais, carrément toi, dégâts subis, oh le Garen, oh, 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 oh. Oh my, plus longue série, yes, 3, 12, ah autant pour moi. Non, c'est ça, c'est tué simultané max, ok. 2, ok. Eh bien, les amis, pour une première, c'était plutôt violent, j'ai envie de vous dire, très clairement. En tout cas, c'était tout pour cet épisode, c'était relativement court tout de même, mais c'est pas très grave, hein, des fois, ça arrive. Je proposerai probablement d'autres épisodes sur League of Legends, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la série, ou du moins de la série, je m'entends, parce que ce sont des épisodes un petit peu comme ci, comme ça, qui vont sortir, mais n'hésitez pas à me donner vos retours, voilà. Et moi, je vous laisse pour cet épisode, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé et à très très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde. Bye bye. Oh. Bah ne tuez pas de civils innocents. Ah bah excuse-moi, mais t'étais dans le chemin. Et voilà. La prochaine fois, t'as qu'à bouger ton cul. Et tout se passera pour le mieux. Pas vrai ça. Bon, bah un problème réglé. Ici, je suppose, il n'y a pas de quête de... Enfin, chez lui.